Ok les gars, venez ici autour de moi. Bon, beau travail. Dixon, une communication du bataillon. Dixon? Ok, bien sûr. Affirmatif. Merci. J'ai de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles pour vous, les gars. Les Canadiens ont franchi la Laison. Et les Polonais progressent vers Vimoutier, au nord. Donc, les Boches dégustent pas mal. On les a repoussés vers Chambois. C'est quoi la mauvaise nouvelle? À ton avis, on part pour Chambois. C'est du suicide, mais on n'a pas assez d'hommes. C'est avec cet état d'esprit que tu comptes libérer ton pays? C'est pas une question d'état d'esprit. Votre Major Ingram est sûrement mort alors qu'il est. Je me fous des sûrement. S'il y a une chance qu'il soit encore en vie, alors je vais la saisir. C'est trop tard. Vous allez vous faire tuer. Je serai pas seul, le Frenchie. Doyle, viens avec moi. Allez, Doyle. On va chercher Ingram, même si on doit se passer d'eux. Bonne chance, mon ami. Je vois pas de quoi vous voulez parler. On ne peut pas se permettre de vous perdre, Doyle et vous. Pas droit au cœur. Frenchie. Votre homme est peut-être dans cette maison. Allez-y avec Marcel, nous on monte la garde. Jets! Attends, on est bien! 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 Attends, on est bien!
Les Folgers! Était Kogé Lord! Merde, il est pas là! Ils le retiennent peut-être dans cette cave!
fin des grenades. Gérald Tiberius Ingram. Major. Matricule. Vous entendez ça? 4, 5, reculez! 8, 7. Tombé à pic, caporal. On va vous sortir de là. Les Boches ont forcément entendu ce raffut. Parlons de raffut. Doyle, suis le Frenchy. Le Frenchy ouvre la voie. Allez! Je ne suis pas le seul que les Boches gardent prisonniers. On est au courant. On a sauvé une poignée de maquisards d'un peloton d'exécution pas loin d'ici. Les Boches qui m'interrogeaient se sont vantés d'en avoir torturé trois. Ils n'ont pas parlé d'exécution. Major! Les retrouvailles attendront. Trois autres de vos gars se font torturer en ce moment même. Mieux vaut se séparer. Bonne chasse. Doyle, prends le volant. Ha!
Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Allez, on a d'autres maisons à visiter. Tourne à gauche. Allez, on a d'autres maisons à visiter.
Merci, vraiment, merci pour tout. Non, sors de là! On les a tous libérés, Doyle. Retour à la cour, maintenant. Tourne à droite. C'est le dernier. Allez, on retourne dans la cour. Tourne à droite. J'ai failli attendre, les gars. Thank you.
sur la droite. Doyle, vous passez devant. Isabelle vous suivra et placera une charge sur ce blindé. Écoutez-moi, on doit contourner ce monstre par la gauche ou la droite. Doyle, vous passez devant. Isabelle vous suivra et placera une charge sur ce blindé. Isabelle!
Je suis désolé, Marcel. Cette petite avait du cran. C'est vrai. Vous êtes de sacrés combattants. Allez, du nerf, les gars! Nos hommes sont prêts? Prêts à quoi? À se mettre en route pour l'enfer? L'équipage du char ne peut plus attendre, sergent. Lieutenant! Un message du commandement. Les Polonais ont pris la colline 262, mais ils ont perdu leur radio. On a nos propres problèmes à gérer, soldat. Ça en fait un de plus. Mon lieutenant, le commandement veut qu'on envoie un radio aux Polonais. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Mais enfin, je... Qu'est-ce que vous attendez? Montormel est à un jour d'ici. Baron, je vous fais une faveur. Un de nos équipages de chars manque à l'appel. On part en mission de sauvetage. Ce sera pas de la tarte, et je pense pas que vous vouliez faire partie de la fête. Je suis pas un lâche, mon lieutenant. Mon boulot, c'est protéger notre radio. Notre seul lien avec le commandement. Maintenant, votre boulot, c'est d'être le radio des Polaks. Exécution! C'est un ordre, soldat baron. Vous avez été un peu dur avec lui. Bah, j'ai d'autres chats à fouetter. Allez, préparez-vous. Il y a plein de gars qui comptent sur nous.